Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, sur mon balcon, où je vais faire un rituel Reiki que je vais expliquer en live aussi sur Facebook. Donc mon intention, c'est de partager les rituels Reiki bienfaisants du matin, histoire de se mettre dans la meilleure énergie. Première fois que je me mets sur mon balcon avec mon ordinateur, ma petite webcam, mon micro, dans l'ambiance du matin et où je célèbre la joie d'être déjà vivant, en bonne santé, où je me relie au monde, aux oiseaux qui chantent, comme cette petite mésange qui nous accompagne et ce pigeon qui vient de s'envoler. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que je fais en Reiki le matin et le soir, mais la formule est un tout petit peu différente. Mais en Reiki, on travaille sur les trois corps énergétiques. Alors, trois corps que nous avons, le corps physique, bien sûr, le corps intellectuel, psychique, et le corps émotionnel. Et nous sommes constitués d'énergie. Tout est énergie. Et le Reiki est là pour nous connecter à cette énergie-là, à débloquer tout ce que nous avons congestionné, à poser des intentions de paix, de calme, de sérénité. Donc j'avais envie de vous les partager. Donc je vais commencer par vous montrer les trois centres dont je parlais. Centre intellectuel. Au niveau de la poitrine, le centre émotionnel. Et juste en dessous le nombril, le centre physique. D'abord, puisque le Reiki s'appuie beaucoup sur la tradition orientale, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous montre. On joint les mains en gassho namasté. On peut prendre quelques respirations, par exemple 3. Et ceci va nous permettre d'entrer plus dans une forme de conscience dès le matin, de rassembler les énergies et ensuite de les harmoniser. Donc, première position, à prendre les mains comme ça, je vous montre, et on va les poser toutes les deux. Ici, au milieu du front, pour ceux qui connaissent les chakras, le troisième œil, et on va faire le tour comme ça, en récitant une petite phrase, un petit mantra, pour aller jusqu'au bout, derrière. Et en faisant le tour, ben on dit cette phrase. La phrase c'est, même si je ne sais pas ce qui va m'arriver aujourd'hui, ce qui est le cas après chaque jour, même si je ne sais pas ce qui va m'arriver aujourd'hui, je décide d'être calme, confiant, centré et heureux. On y va? Même si je ne sais pas ce qui va m'arriver au cours de cette journée, je décide d'être calme, confiant, centré et heureux. Deuxième fois. Même si je ne sais pas ce qui va m'arriver au cours de cette journée, je décide d'être calme, confiant, centré et heureux. Troisième fois.
Même si je ne sais pas ce qui va m'arriver au cours de cette journée, je décide d'être calme, confiant, centré et heureux. Et là, je vous laisse observer déjà ce qui se passe en vous. Est-ce que c'est plus calme ou pas? Et en le faisant sur moi, forcément, ça agit autour. Ensuite, au niveau du thorax, en plein milieu de la poitrine, on a le plexus solaire. Ah, plexus solaire, ça fait un petit creux, hein. On peut ressentir des émotions très fortes, hein, une sorte de boule d'énergie quand on est très très ému. Et donc on va placer les mains de la même façon, un petit peu comme des coupes qu'on renverse et qu'on vient appuyer. En revanche, on ne va pas faire tout le tour jusqu'à l'arrière du dos, on va s'arrêter au milieu des côtes, avec juste les majeurs. On appuiera au milieu des côtes. Et là, la phrase, c'est la même que la première, sauf qu'à la fin, on parlera des émotions et des sentiments. Donc la phrase, je la dis une fois, même si je ne sais pas ce qui va m'arriver pendant cette journée, je décide d'être calme, confiant, centré et heureux au niveau de mes émotions et de mes sentiments. C'est parti? Même si je ne sais pas ce qui va m'arriver au cours de cette journée, je décide d'être calme, confiant, centré et heureux. On respire. Deuxième fois. Même si je ne sais pas ce qui va m'arriver pendant cette journée, je décide d'être calme, confiant, centré et heureux. Troisième. Même si je ne sais pas ce qui va m'arriver pendant cette journée, je décide d'être calme, confiant, centré et heureux. Le Reiki, c'est comme, j'irais aussi, toute technique de méditation, c'est aussi l'art de s'observer, de se voir faire, de se regarder vivre et de se ramener à une sorte de, justement, de situation, une zone de calme où on va arrêter un petit peu de s'agiter. Bon, on passe au dernier corps, corps physique, c'est niveau de mon corps et de mes actions, parce que le corps, il va nous permettre souvent d'entrer en action. Même si vous êtes avachi sur le canapé, ben, si vous voulez changer de chaîne, il faut quand même activer en général votre corps. Donc voilà, on va commencez juste deux doigts sous le nombril avec la même position des mains en coupe. On appuie deux doigts sous le nombril au niveau du chakra du bas. Et on va faire le tour et on va venir appuyer en bas de la colonne au même endroit, sauf que c'est à l'arrière du corps. Donc je vous montre. Donc ici, on fait tout le tour ici. Et la phrase. C'est la même que les autres, sauf qu'on dira au niveau de mon corps, au niveau de mon corps et de mes actions. Même si je ne sais pas ce qui va m'arriver au cours de cette journée, je décide d'être calme, confiant, centré et heureux au niveau de mon corps et de mes actions. Même si je ne sais pas ce qui va m'arriver au cours de cette journée, je décide d'être calme, confiant, centré et heureux au niveau de mon corps et de mes actions. Même si je ne sais pas ce qui va m'arriver au cours de cette journée, je décide d'être calme, confiant, centré et heureux au niveau de mon corps et de mes actions. Une fois que nous avons fait cela, nous rejoignons les mains pour un namasté. Et ce namasté, il va aller jusque au-dessus de nous, comme ça. On respire encore une fois, deux fois, trois fois. Et là, on va envoyer l'énergie comme si, pouf, on faisait une pointe vers le haut. On ouvre les bras. Et on ramène l'énergie au niveau, comme ça. Tranquillement. On ramène l'énergie au niveau du plexus solaire.
Et quand j'en arrive là, au bout donc de 2 minutes ou beaucoup plus si je prends le temps comme là aujourd'hui, eh bien au bout de ce temps-là, l'énergie est nettement plus harmonisée. On est sur une fréquence qui va nous permettre de passer une bien meilleure journée que si on était tout de suite dans les habitudes. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et je vous souhaite une belle journée, de belles énergies et à bientôt.